quelle période historique ça me fait penser? Société. Antiquité. Antiquité, les balbutiements, les premières tentatives de société. C'est Rousseau, même encore avant Rousseau, qui disait la société a commencé quand un mec a pris un bâton, il a tracé un trait sur le sol et il a dit voilà, ici c'est chez moi. Bah, la propriété, quoi. Ça m'inspire la découverte du Nouveau Monde et du choc entre les Européens et les populations qui étaient existantes sur le continent et la confrontation de ces deux blocs-là, je trouve ça vraiment passionnant. Je vais revenir à mathématiques, c'est le fait qu'on soit allé marcher sur la Lune. Je trouve ça génial. Mais est-ce que c'est vraiment un fait de société? Le moment où les femmes ont enfin pu, en France, ouvrir un compte en banque sans avoir l'accord de leur mari. Et c'est il y a vraiment pas très longtemps, j'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est dans les années 50 ou 60. Donc c'est vraiment tard, quoi. Pour moi, le problème majeur de la société aujourd'hui, et quand je pense société, je pense qu'une société ne peut pas fonctionner quand elle n'est pas égalitaire. Donc tant qu'il y a des inégalités, on est sur un modèle qui se cassera toujours la gueule et dans lequel il y aura toujours des crises. Mai 68, un événement qui a jamais marqué l'histoire de la France, autant au niveau économique que culturel, sociétal. Le droit à l'avortement peut-être, parce que c'est quand même quelque chose d'important en France et dans le monde d'ailleurs, donc c'est quand même assez fou que ça soit pas encore autorisé partout, quoi. Je penserais de manière générale à la place qui a été faite aux femmes au sein de la médecine, c'est-à-dire que globalement, à l'époque médiévale et jusqu'au 19e siècle, on considère que la femme est plutôt inutile à la médecine, qu'elle est faible, qu'elle est stupide, qu'elle se fait dominer par ses émotions et que donc elle n'est pas capable de faire de la médecine parce que c'est pas un bonhomme avec des bonnes grosses balls. Et au final, elles sont 70% à peupler nos promotions de médecine aujourd'hui. Donc je pense que c'est une belle revanche pour notre société. La chute du mur, tiens, parce que j'étais né, mais voilà, j'étais à quelques centaines de kilomètres. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je suis un peu déçu.